Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée pour le changement, on va dire, de décor, etc. Mais en fait, il fait nuit. Je voulais vraiment tourner ma vidéo sur mon avis final Dr. Smile aujourd'hui pour que vous l'ayez le plus vite possible. Et voilà, pour que vous soyez un petit peu au courant plus vite qu'Instagram de ce qui se passe dans mon traitement avec mes gouttières le plus vite possible. Donc du coup, il fait nuit, ma fille s'est endormie vraiment très tard. Et donc du coup, bah voilà, la qualité de la vidéo sera vraiment pas ouf. Mais bref, c'est pas grave, le plus important c'est le message que j'ai à vous faire passer. Donc du coup, j'arrête de parler et c'est parti. J'espère que je ne vais rien oublier, mais je vais tout vous raconter depuis le début. Je n'ai absolument rien caché. J'ai déjà sorti deux vidéos, je vous les mettrai en commentaire si. Enfin en description si ça vous intéresse. Je vais tout vous raconter depuis le début, mais je n'ai absolument rien caché. Pour les personnes qui ont déjà vu mes premières vidéos, qui me suivent sur Instagram, qui m'en ont parlé, j'ai toujours été très positive sur Dr. Smile. Je n'ai jamais menti, j'ai toujours dit que j'en étais très satisfaite. J'en ai toujours été très satisfaite jusqu'à début décembre. Malheureusement, j'ai eu la grippe. Et j'ai vu les aléas, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire, le derrière de Dr. Smile. Et en fait, je pense que ça se voit si vous allez voir ma dernière vidéo du début décembre et celle-là. Voilà, vous allez très vite comprendre pourquoi dans cette vidéo, je vais être très cash, comme je l'ai toujours été. Je n'ai jamais menti et je vais vous raconter un petit peu toutes les merdes qui m'est arrivée. Alors du coup, j'ai commencé début juin. Ouais, début juin, j'ai fait donc le premier rendez-vous, mi-juin j'avais l'appel, et allez, mi-juin, fin juin, même pas, ou peut-être même, ou c'était au mois de mai, non c'était au mois de mai, donc début juin du coup j'ai commencé mon traitement, et bah écoutez, satisfaite, les douleurs, etc, enfin bref, ça je vous le raconte dans les autres vidéos, mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on souscrit au plan de traitement et qu'on a nos gouttières, on nous donne un petit code promo qui permet, enfin un petit code de parrainage, et ce code de parrainage là permet d'avoir 200 de réduction à la personne qui en profite, et nous on est rémunéré à on a une petite compensation de 250 €. Donc écoutez, c'est hyper bien et ça permet de rembourser une petite partie du traitement, surtout que voilà, ça coûte un petit peu cher, moi j'ai pas les moyens mais je l'ai quand même fait. Et donc du coup, début août, Dr. Smile a décidé de supprimer mon code parce que dans leurs petites conditions, toute petite ligne qu'on ne voit même pas, il y avait marqué qu'on n'avait pas le droit de donner notre code en public, qu'il fallait uniquement le donner comme ça. Et en fait, ils ont décidé de carrément le supprimer. J'ai essayé de négocier avec eux, impossible. Et enfin, j'ai trouvé ça lamentable, sachant que il y a des influenceuses qui ont un partenariat et qui ont le droit de donner leur code comme ça. Alors que ça se trouve, elles rapportent aucun fric. Et moi, je leur ai dit, mais enfin, moi, mon code, ça vous rapporte énormément de clientes. Surtout que mon code n'avait été utilisé que 4 fois. Et je leur ai dit, mais en fait, moi, avec tous les messages, ça a été utilisé 4 fois, mais entre-temps, il y a eu d'autres mails, j'ai reçu d'autres mails comme quoi mon code a été utilisé, etc. Et je leur ai dit, mais en fait, moi, ça vous rapporte je sais pas combien de fric, en fait, plus de 10 000 euros. Moi, ça me rapporte rien, enfin, voilà, vous me payez 150 €, c'est rien par rapport aux plus de 2 500 € que vous avez à chaque fois. Enfin, vous rentrez énormément d'argent et c'est grâce à moi, parce que je dis du bien de vous. Donc bref. Ça n'a pas voulu être entendu. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages comme quoi vous voyez des avis négatifs. Moi, j'avais pas forcément vu d'avis négatifs. Quand je vais sur Trustpilot, bah, je vois qu'il y a plus de 80-85% d'avis positifs et il y a très très peu d'avis négatifs. Et hier, j'ai regardé les avis négatifs. J'ai regardé un peu plus, mais je vous en parlerai un peu plus. Il y a une personne qui a eu... Même dans hier en commentaire, j'ai eu un autre avis, ou ce matin, un autre avis d'une personne qui a eu le même problème que moi. Donc comme ça, je vais pouvoir vous le raconter en fin de vidéo. En revenant sur le partenariat, du coup, au mois d'octobre, si je me trompe pas, au mois d'octobre, j'ai relancé la personne qui m'avait envoyé un mail pour me dire que mon code avait été supprimé, pour qu'elle me donne le mail du service partenariat pour que je puisse voir directement avec eux. J'ai eu deux mails, deux contacts, deux échanges avec eux et la fille me disait bah envoyez-moi votre compte Insta parce qu'on bosse plus sur Instagram et compte YouTube aussi pour que je puisse voir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous dites, votre audience. Elle m'a dit ok, bah le partenariat ça pourrait fonctionner, on travaille surtout sur Instagram en story, et voilà. Donc moi du coup je lui réponds. Et c'est le dernier mail que j'ai envoyé, et l'autre c'est le dernier mail que j'ai reçu.
Du coup, je lui réponds, bah ok, moi ça me va, quels sont du coup comment ça fonctionne, quels sont les avantages, est-ce qu'on a une compensation, etc. Parce que du coup, moi, mon code a été supprimé. Et du coup, si on fait un partenariat, est-ce que du coup ce code-là va pouvoir être réactivé? En plus, il y avait le Black Friday, donc les offres étaient beaucoup plus avantageuses que ce soit pour vous ou pour moi. Et encore, moi je gagnais que 200 € je crois à la place de 150, je sais plus. Et vous, je crois que c'était 300 € en moins, plus un blanchiment dentaire. Enfin, vraiment, c'était avantageux. Et de là, je n'ai plus eu aucun retour. Vraiment, mais le néant, nada. Plus personne ne me répondait. Donc ça, c'est la première partie. Et c'est là où je me suis dit, il y a un petit truc qui va pas. Franchement, c'est hyper bizarre. Et aussi, du coup, bah pour finir, moi j'ai toujours été satisfaite jusqu'à début décembre, mais par exemple, les gouttières, je les mettais pas forcément très bien, bah parce que déjà j'ai des enfants, donc c'est compliqué quand on a un bébé bah d'aller se laver les dents tout le temps, d'aller mettre les gouttières, des fois on n'y pense pas, moi j'ai mon travail, donc en fait, dès que ma fille dort, moi je travaillais, et je pensais pas du tout à mettre les gouttières, enfin bref, moi j'ai deux enfants, donc il faut jongler avec les deux, bref, c'est une horreur, donc je mettais surtout mes gouttières la nuit. Et bah jusque-là, en fait, jusqu'à de septembre à décembre, je voyais très bien les résultats. Je peux vous remettre des photos ici en milieu de traitement. Je vais essayer de vous remettre aussi début décembre ce que ça donnait. Enfin, regardez mes vidéos, regardez Instagram ce que ça donne. Mes dents, début décembre, étaient parfaites. Je devais terminer mon traitement à Noël. Mes dents étaient hyper bien resserrées, j'étais hyper fière du résultat. Mi-décembre, malheureusement, je me suis tapé la grippe. Je commence à m'en remettre un petit peu doucement. J'ai encore certains trucs. Et en fait, ben, pendant 2 semaines, je n'ai pas pu mettre mes gouttières parce qu'avec la toux et tout, ça n'était juste plus possible. Je pouvais rien faire et rien que. Déjà, j'avais des nausées. À partir d'octobre, j'avais de très fortes nausées dès que je mettais les gouttières. Donc, c'est vrai que là aussi, ben, je voulais les mettre un petit peu moins. Et en même pas une semaine, mais vraiment même pas une semaine, mes dents qui étaient toutes resserrées, tout nickel. Bah voilà, sont devenues comme avant quasiment. Pas comme avant, mais c'est redevenu aller à comme au bout de 2 mois de traitement, 2-3 mois. Donc en gros, j'ai perdu plus de 5 mois dans le vent. Là, ça veut dire que je suis en train de perdre plus de 2 700 € dans le vent. Et je suis en train de. J'ai fait 5 mois de gouttière comme ça dans le vent aussi. Vraiment, je suis dégoûtée. Ça me dégoûte. Je me dis, enfin. Normalement, quand on est adulte et qu'on resserre nos dents, elles sont censées, enfin, c'est censé ne plus bouger. Et là, ça bouge quoi. Quand on est adolescent, qu'on grandit et qu'on est obligé de reporter un appareil dentaire ou n'importe, c'est normal parce que avoir un appareil dentaire quand on est ado, enfin, on n'est pas encore bien formé, on grandit, nos dents vont grandir, etc. Mais quand on est adulte, c'est plus censé bouger. Et là, que ça redevienne comme ça en même pas une semaine, ça s'est réécarté. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc, dans ma tête, je me dis. Peut-être que ça vaut mieux que ça le fasse là, parce que vous imaginez, vous faites le traitement entier. Vous gardez vos gouttières pendant 1 an, vous arrêtez. Vous arrêtez par exemple la contention parce que pour X ou Y raison. Parce qu'après, il faut repayer tout le temps. Donc si vous repayez 100 € tous les ans, bon, c'est pas grand-chose, mais bon, voilà. Si vous arrêtez, vous avez fait 1 an et demi, 2 ans de traitement et que tout redevient à zéro, mais là aussi vous vous dites mais c'est une blague, enfin, vous avez fait tout ça pour rien. Et je regardais dans un avis négatif. Sur Trustpilot, et pareil, en fait, c'est une personne qui. Elle avait fait tout le traitement, et à la fin, je sais plus ce qui s'est passé exactement, faudrait que je re-regarde, tout s'est réécarté, tout est redevenu à la normale. Elle a fait son traitement, et voilà. Donc, c'était fin octobre. Elle a envoyé un mail pour savoir comment ça se passait, parce qu'il y a marqué, et on nous le dit bien au téléphone, que si le résultat à la fin n'est pas satisfaisant, ils nous repayent entièrement, nous on n'a rien à débourser, c'est eux qui repayent les gouttières, qui nous les renvoient, etc. Et ben on lui a dit qu'avec le Black Friday, etc., bah, ils avaient pas le temps de le refaire, qu'elle allait passer en gros après. Mais ok, enfin, vous pouvez avoir de nouveaux clients, mais. Ils peuvent attendre. Là, nous, on est déjà en traitement. Si on doit attendre si on doit attendre 2, 3, 4 mois pour avoir un retour, c'est n'importe quoi. Nous, on a payé. On est censé être satisfait. Et aussi, c'est une personne, bah, du coup, qui m'a dit ce matin qu'il n'y avait aucune garantie de résultat. Bah, écoutez, ça se voit. Il n'y a aucune garantie de résultat. Ça redevient à la normale. Donc, moi aussi, par exemple, c'était il y a 2-3 jours. J'ai pris en photo, je leur ai dit que j'avais aucune douleur, mais que du coup ça ne tenait plus, mes gouttières ne tenaient plus, que j'avais des nausées. En même pas 5 minutes, je crois, 5-10 minutes, enfin, ou dans l'heure, mais vraiment très rapide. On m'a envoyé un mail, à quel aligneur vous vous êtes arrêté? Donc je leur ai dit, parce que moi je suis quand même à l'aligneur 13 sur 14, je suis à la fin
de mon traitement. Mais là, je ne peux même plus les mettre, mes gouttières. Ça ne passe même plus. C'est impossible. Et si je les mets, ça me fait vomir. C'est une catastrophe. Et du coup, j'ai envoyé mon mail tout de suite après. Bah depuis, silence radio. Je n'ai personne. Je n'ai aucun retour. Franchement, je suis énervée. Donc, c'est pas une arnaque. Et encore, peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, c'est un attrape-nigo. Enfin, vous payez, mais vous n'avez même pas de résultats escomptés. Ou du moins, ça ne tient même pas. Et s'il faut garder des gouttières à vie pour que ça tienne, bah franchement, ça fait chier. Donc voilà, moi j'espère que j'ai rien oublié. Il me semblait que j'avais 3 points à détailler avec vous. Si j'y repense, je vous le dirai. Si j'ai un retour entre temps, au cas où que la vidéo sorte, je vous le mettrai aussi. Mais je ne pense pas avoir de retour d'ici là. Et peut-être que j'aurai un retour grâce à ma vidéo. Mais s'il faut ouvrir sa gueule et péter un câble pour avoir une réponse, franchement ça fait bien chier. Parce que là vraiment je suis dégoûtée. Entre mon code de parrainage qui a été désactivé et le fait que j'ai perdu du temps à faire ce truc, j'ai perdu de l'argent et que j'ai même pas le résultat escompté, bah franchement je suis dégoûtée et je suis encore en train de payer. Donc moi si j'ai pas de réponse, écoutez, si vous regardez ma vidéo, bah je vais arrêter les paiements parce que j'ai pas le résultat escompté, donc ça ne sert à rien. Donc du coup voilà, pendant 7 mois j'étais hyper contente, j'étais satisfaite, j'ai dit à tout le monde que j'étais satisfaite, que ça fonctionnait. Et à la fin, si on oublie de les mettre pendant une semaine ou deux parce qu'on est malade, parce que si, parce que ça, n'importe, et bah ça redevient à zéro. Et on peut même plus mettre nos gouttières. Bien évidemment, toutes nos gouttières, on les a jetées. On va pas les garder. On les jette au fur et à mesure quand ça passe. Bah, on se fait... voilà, sans dire le gros mot, mais vraiment hyper déçue. Donc, pendant X temps, je voulais recommander. Bah, aujourd'hui, je ne vous recommande plus Dr. Smile. Je ne sais pas si je pourrais vous recommander d'autres marques également. Parce que si c'est la même chose... Bah vous allez dépenser votre argent pour rien. Et peut-être que même un Visaligne, c'est exactement pareil. Peut-être que vous allez mettre vos gouttières et que vous n'avez à avoir aucune garantie de résultat. Et petite précision pour les contentions que vous pouvez avoir chez les dentistes avec le fil. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande pas du tout parce que ça abîme la bouche, ça abîme la langue, ça abîme votre flore buccale. Enfin, vraiment, c'est de la merde. Les gouttières, c'est pratique parce que vous les gardez la nuit, que ça abîme absolument pas votre flore, etc. Mais bah voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire vos avis si vous avez déjà fait Dr. Smile, si vous en êtes à X ou Y mois de traitement. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis. Moi, c'était le mien. Comme vous le savez, je suis très franche et je ne cache jamais la vérité à qui que ce soit. Donc voilà, bah pour moi, ça n'a absolument pas fonctionné. J'étais très satisfaite. Et puis maintenant, donc c'est comme ça. Si je repense au cas où à mon 3e point auquel je voulais vous parler, je vous le mettrai en description aussi ou en commentaire directement. Mais bah, j'attends vos retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir, à mettre un petit pouce bleu et à la partager pour éviter que d'autres personnes ne se fassent avoir. Je ferai peut-être une autre vidéo plus tard au cas où si j'ai un retour de leur part, si enfin voilà, en fonction de l'avancement, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que je parle de temps en temps de l'avancement, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de retours. Donc c'est comme ça grâce à vos messages que je réagis aussi en story pour vous dire, et d'ailleurs, c'est là où grâce à un de vos messages où je me suis rendu compte que bah tout était redevenu à la normale et que j'étais dégoûtée. Et que voilà, j'ai fait cette vidéo. Normalement, je devais faire cette vidéo début janvier, voire peut-être même mi-janvier. Finalement, je la fais là, avant la fin de l'année. Parce que bah je suis dégoûtée et fallait que je vous le dise le plus rapidement possible. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.